Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo retour de course. Je sais que bah, du coup ça faisait un moment que je l'avais pas fait et que vous aimez bien ça. Donc du coup je me dis je vais filmer ce qu'on a été acheté à Auchan. Donc je vous montre tout de suite. À Auchan on a trouvé, donc c'est des soldes, il y avait pas mal de choses soldées. Donc on a pris ça, c'est des gros gobelets, c'était à 4,50, ben à 50%. C'est les gros gobelets américains là, vous savez. Ce sera pour faire un jeu pour le baptême de Arthur. Donc oui, le jeu que je trouve pas dans la vidéo, c'est pas le baptême de Evan, mais c'est bien le baptême de Arthur qu'on fait au mois de mai. On a pris des baguettes, toujours à Auchan, de la salade des jeunes pousses. J'ai pris ça, mais je suis deg, le temps du trajet, ça a tout décongelé, donc en fait, il va falloir qu'on mange entre ce soir et demain, quoi. C'est 24 heures au frigo. C'est des petits pois bio, donc de chez Auchan, mais voilà, donc il faut qu'on les mange très très vite. J'ai pris un ortolan léger, pour les régimes, on va dire, enfin pour les régimes, allégé en matière grasse, voilà. Des crevettes comme ça, des grosses crevettes surgelées. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais je vais voir. J'ai pris ça, c'était en plus en promo. Et puis, ça avait l'air bon. C'est des nuggets de blé et oignon. C'est végétarien, donc voilà, ça, ça a l'air très très bon. Et je suis adepte à une, j'arrête pas, avec une application. C'est gratuit, hein, ça, vous allez voir. Ça s'appelle Yuka. En fait, c'est une application qui vous permet de biper en fait des produits. Vous avez ici un petit scan. Voilà. Hop, vous n'allez pas trop voir. On voit le retour. Vous scannez le code barre de votre produit et ça vous dit en fait mauvais ou médiocre ou excellent. Voilà. Alors, ça connaît quand même pratiquement tous les produits. Mais ce qui est mortel avec ça, c'est que du coup, vous avez tendance à tout biper et à voir que ce que vous mangez, c'est pas bon. Bref, je bip quand même pas mal de choses qui sont quand même pas mauvaises, hein. Je suis contente, par exemple, là je vois que j'ai acheté mes céréales, c'est pas excellent mais c'est bon. J'ai essayé plein d'autres céréales, tout est médiocre, voire mauvais carrément. Qu'est-ce qu'il y a, Evan? Tu veux dire bonjour? Tu fais coucou? Là, regarde là. Monsieur a fait la petite crêpe, tu veux un bout de pain, c'est ça? Oui. Oui, alors attends, maintenant il sait bien dire oui. Tiens, du pain mon cœur. Donc du coup j'ai bipé mes céréales et je suis contente, donc c'est bon. Vous avez 4 catégories, excellent, bon, mauvais et médiocre et mauvais. Ça vous dit si c'est trop salé, trop sucré, si c'est trop riche en calories, si ça contient des additifs qui sont nocifs carrément, c'est vachement bien. Enfin bref, j'ai pris ça, vous voyez ça, je l'ai bipé à Auchan et c'est excellent, c'est pour Bastien. Poulet rôti et purée. J'ai pris des compotes pour Evan, oh pour Arthur, je vais y arriver. Donc là c'est pommes pêches, on peut les acheter à l'unité, donc j'en ai pris. Maïs s'est pris des petits pop-corn, quoi, des petits maïs comme ça en vrac pour faire du pop-corn. On a pris des pailles d'or, bon après j'ai pas pris que des choses qui sont bonnes, hein. Ça j'ai pas bipé mais je suis sûre que c'est pas bon. Après voilà, je n'en viens pas, c'est pas abusif hein, mais c'est vrai que du coup il y a des produits que par curiosité je regarde. Et on se rend compte que ouais, ça fait pas bien. J'ai pris 3 kiwis, j'ai pris des sacs poubelles, voilà. J'ai pris un camembert parce que je veux faire des petites boules de camembert panées là, dans une salade, je vais voir. J'ai pris des petits filous, les petits filous c'est excellent, j'ai bipé, je suis contente. Tout ce qui est gâteau, laissez tomber, c'est tout pas bon de toute façon. Même ça, j'ai bipé, c'est pas bon. C'est pas mauvais mais c'est médiocre. Des galettes de riz au chocolat au lait bio. Des pois chiches. Ça, on aime bien. J'ai fait ça avec une salade. C'était super bon. Là, des petites lingettes désinfectantes. Des haricots blancs cuisinés à la tomate. Donc, on a craqué pour ça. C'est pas bon pour le régime. Mais bon, bah, une fois dans le week-end, ça peut pas faire de mal. Une brioche. Une couronne briochée avec des amandes dessus et du gros sucre. Mais surtout, c'est que c'est des mignons. Voilà. Donc là. On a craqué. On a pris. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des pommes. Ça, c'est Maïk qui a choisi des pommes. Des pommes Ariane. Il n'a pas pris les moins chères. On lui dit prends ce que tu veux. Voilà, il a pris celle-ci. Ça, c'est mes yaourts. J'adore. Je ne trouve pas partout. Donc, quand je les trouve, je les prends. C'est les yaourts bio brassés de la marque Vrai à l'abricot. Ils sont excellents. Vraiment, j'adore. Du Saint-Agu. Du Coca-Zéro. Bon, d'accord. Je vous dis pas si c'est bon, pas bon. Hein. Je crois que le coca c'est carrément mauvais. Je crois que c'est même pas médiocre. Je sais plus, je vais regarder. Coca. Coca, 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 coca. Ah non, c'est pas mauvais, vous voyez. J'ai des bêtises. C'est médiocre. Donc c'est pas vraiment. Voilà, c'est pas en rouge, c'est en orange.
La fille qui veut se rassurer, qui veut se donner bonne conscience. J'ai pas pipé le vrai coca, remarque. Je sais pas ce que ça donne. Des croquettes pour les chiens. De la ratatouille. J'ai pris ça aussi. Alors, c'est des falafels, pois chiches, courgettes, carottes, oignons. C'est la marque Auchan. C'est Envie de Veggie. Voilà. À tester. Ça a pas l'air mauvais. J'ai pris du romarin. J'ai pris du thon en boîte. On a pris de l'extrait de vanille parce qu'on va essayer de faire des cannelés demain. J'ai pris ça, je ne sais pas du tout, c'est une sauce oignon et ail à la tomate. Je pense que je vais essayer de le faire avec ça, avec les falafels là. On va voir. Ensuite, j'ai pris du rôti de porc. J'ai pris des biscuits nappés au chocolat au lait. De trucs bio de la marque Auchan. J'ai pris ça, des longs nuggets de blé. Voilà, spice et veggie. Alors en fait, c'est qu'on est... le soir, c'est qu'on mange pas trop de viande. Donc du coup, j'ai pris des choses comme ça, c'est des alternatives. J'ai pris ça, c'est des chocobons. Hein. Ça, c'est pour les enfants, c'est à 50%. On a pris du maïs. J'ai pris ça pour Maé, donc des petits pains au lait bio. Alors en fait, j'ai bipé tous les pains au lait du rayon. Parce que Maé, il adore le pain au lait. Ou alors le 4K. Mais honnêtement, tous les pains au lait du rayon de Auchan sont médiocres, voire mauvais, carrément. Hein. Et celui-là, j'ai trouvé au rayon bio. C'était pas beaucoup plus cher. Eh bien, il était bon. Donc, du coup, je lui ai pris. Ça, c'est, voilà, des petits gâteaux apéro. Mais ça, j'avais goûté chez ma mère. C'est super bon. C'est un mix de plein de petits gâteaux connus, en fait. Et c'était super bon. Donc, encore des baguettes. On adore le pain. Hein. Du multifruit. Des perles de lait. Parce que Maë adore les perles de lait. Et maman aussi. Moi, j'adore ça. Il nous a tout fini là, j'ai pas eu le temps d'en manger pratiquement. Des pommes poires, enfin, des pommes potes pommes poires, du thym, que j'en avais pas, il m'en fallait dans une recette, j'en avais pas. Ça, le 4 quarts, voilà, j'ai trouvé celui-ci qui était bon, donc du coup, je l'ai pris. Des spaghettis au blé complet, c'est meilleur le blé complet pour la santé. Après, c'est un goût différent, c'est vrai quand même, je trouve, mais c'est meilleur. Des petites tomates cerises, des bananes. Un filet de clémentine. Des compotes pommes fraises. Ensuite, pour Arthur, j'ai pris pommes pruneaux. J'en ai pris un autre, je crois, ouais. Pommes pruneaux et pommes, tout court. Pommes, voilà. Il a goûté hier la banane, sans mentir. Parce qu'on n'avait pas repris, en fait, les petites compotes comme ça, comme il avait sa bronchiolite et tout. Hier, j'ai repris la banane. Les premières cuillères, honnêtement, il détestait. Il faisait la grimace. Il crachait, mais vraiment il aimait pas. Et là, à ce midi, quoi, à 4h, il aurait tout mangé. Du jus, du citron pour faire du jus. Ensuite, j'ai pris des framboises et elles sont énormes. C'était pas très très cher, mais elles sont juste énormes, ces framboises. Donc, c'est pour les garçons. Des babybelles. Encore du pain, hein. Oui, on prend beaucoup de pain. Des yaourts au lait de brebis à la vanille de la marque Auchan. Du céleri rémoulade, on adore ça. De la crème de soja. Je pense que je prendrai plus que ça maintenant. Après avoir peut-être pour le dessert, jamais testé. Si dans les desserts ça, c'était bon, dites-moi si vous avez déjà testé la. Je sais pas moi, pour faire un dessert, si ça va dans un gâteau. Je pense que oui. Hein. Mais pour les plats cuisinés maintenant, je prendrai plus que ça. C'est vachement meilleur que de la crème de vache, quoi. Voilà. Un avocat. Et Maya a pris ça, Maoam. Et ça ils aiment bien, c'est des petits bonbons, des petits sachets individuels, au moins voilà, ça se périme pas, et c'est tout tendre. Donc voilà, et j'ai pris un deuxième avocat. Donc voilà pour les petites courses, j'ai fait tout le tour, ouais. C'est tout, sur ce je vous laisse, donc allez voir si vous voulez aller voir l'application Yuka. Y-U-K-A. Je trouve quand même que c'est hyper pratique, après voilà, ça vient vite... On a vite bipé tout ce qui passe. Mais bon, voilà, c'est parce que c'est nouveau. Je sais que dans 15 jours, j'aurai oublié, hein, on va dire. Je ferai plus. Mais là, c'est tout nouveau. Donc, j'essaye de tout biper pour voir. Mais ça fait peur. Donc, essayez si vous voulez regarder cette application. C'est sympa. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'ai encore un petit garçon qui vient me voir. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ce petit garçon, c'est qu'il a faim parce qu'en même temps, il va être l'heure de manger. On vous dit au revoir. Tu fais au revoir? Fais des bisous. Fais-toi un bisou. Un petit garçon qui a été sage. Hier on a regardé La Belle et la Bête. Il a regardé bien le film. Et après ils sont dormis avec maman dans ses bras. Sur ce, ciao, à bientôt.